Eh bien, bonjour à tous. Cinquième épisode de Far Changing Tides. Je vais y arriver. On est reparti, donc on s'était quitté la dernière fois. On avait chopé le module, un nouveau module pour notre bateau. Donc une espèce de boost, une sorte d'accélération supersonique qu'on va de ce pas essayer. Pif, paf, pouf. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Ça. Mais c'est-à-dire que j'ai plus bien de carburant, moi. Hop. 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 Mais en fait, du coup, est-ce qu'on n'économise pas un petit peu notre carburant et qu'on profite pas un petit peu de tout ça? Non, mais en fait, on va... Attendez, mais ma voile n'est pas sortie. Ok. Donc déjà, on va sortir la voile. Hop. Ah oui, on s'était quitté. La nuit tombait, donc du coup, la sauvegarde était un petit peu avant. Donc on va se retrouver un petit peu après, où la nuit tombe. Vous voyez, de toute façon, la nuit est en train de tomber. Voilà, voilà. Donc, le vent va nous propulser. Tac. Ah, on a plein de choses. Alors. Hop. Hop, hop, hop. On va se mettre un petit peu tout ça. Tac. Et c'est parti. Hop, et on avance. La nuit va tomber. Regardez, notre boost qui est en train de monter. Donc on va voguer vers l'infini. Prendre ça. On va tout refroidir. Hop, on va utiliser notre boost si on y arrive. On va y arriver. Hop. Et voilà, magnifique. Regardez-moi ça. Ah, là, on avance. Là, on avance vraiment. Ah, ça fait des flammes bleues dans la chaudière. Incroyable. On va récupérer encore du carburant. Bon, on remet un petit peu. Oh, regardez-moi ça. Regardez ça. Regardez si c'est pas beau. Un banc de méduses complet. Oh, c'est magnifique. Quel jeu incroyable, quand même. Allez, on est reparti. On va continuer d'accélérer vers la prochaine étape. Oh, on a l'air d'arriver vers un paysage glaciaire. Ah oui. On peut mettre le turbo. Oula, il y a l'air d'y avoir de la vague. Pas grave. Attendez, on va peut-être baisser le mât parce que... J'ai pas envie de le casser. Oh, là, on a tout fait. On a tout cassé. J'ai eu peur. Bon, ça va, on peut le remettre. On est arrivé au pôle Nord. Regardez-moi ces nuages en haut, là-bas. C'est vraiment... Tout est magnifique, hein. Hop là, et on est reparti. Ben, ça fait déjà 5 minutes qu'on navigue. Et on prend vraiment du plaisir à naviguer. C'est fou. C'est fou, je pensais pas. Oh, c'est magnifique. Il y a la pluie qui arrive. On va baisser le mât. On va éviter de se prendre la foudre. Ah, qu'on pourrait éviter en allant dans l'eau, tout simplement. Hein. Il pleut. On essaye de voguer face aux éléments, vraiment contre les éléments. Oula. Oh là, les vagues sont immenses. Oulala. Là là. Tous les cas, c'est pas à côté la prochaine étape. Si on a activé.
On a l'air d'arriver à quelque part. Je vois là-bas, au loin. Là, on avance à une vitesse folle. Ouh là là, regardez-moi ce bond. Oh, c'est génial. Oh, c'est incroyable. Oh, mais quel jeu. Mais quel jeu. Mais oh, c'est fou. On a vraiment l'impression de naviguer, c'est ça qui est. Oula. Je sais pas ce qui s'est passé. Tant pis, on va affronter l'orage. Tiens, il nous reste. Oula. Ça tangue. Mais on va y arriver ou pas? Bon, déjà, on est sorti de la zone de turbulence. On se croira un petit peu dans Waterworld, pour ceux qui ont vu le film. Une espèce de Mad Max dans l'eau. Voilà, on va accélérer un petit peu. Bon, ça va, on avance. On avance, on avance. On profite du paysage à la voile. C'est un petit peu plus long, mais c'est, on profite des paysages. On va reprendre les rames, du coup. On a baissé le mât, on a bien fait. On est toujours dans cette espèce de banquise. Ah. C'est bon, on a tout poussé, nous. J'ai pas l'impression qu'on puisse pousser davantage. Écoutez, on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Je pense qu'on est arrivé au bout. Qu'on est bloqué, va falloir qu'on ouvre tout ça. Allez. Finalement, à chaque fois, c'est assez classique hein, dans le truc. C'est toujours un petit peu le même procédé, les puzzles. Les puzzles changent quand même un petit peu. Mais on est globalement dans le même procédé à chaque fois. Ça suit quand même une boucle de gameplay assez... Ah, je peux pas monter plus haut, d'accord. Ok. Je cherche à monter plus haut, en fait. Donc... Ok, on voit des choses qui nous racontent encore un petit peu l'histoire. Comment on en est arrivé là. Ok, il y a une échelle. Il y a un levier. Ok, bon, écoutez, on va aller voir là-haut. Est-ce qu'on le détendrait pas? Quand même, dans le doute. Dans le doute, on fait comme ça. Allez, dans le doute, on fait comme ça. Peut-être que ça nous servira plus tard. On va voir. Quand on grimpe, on grimpe, on grimpe. Hop là, un petit saut à faire. On l'a fait. Hop. On monte, on monte, on monte. Pour l'instant, il n'y a rien de phénoménal. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Est-ce qu'il faut que je le tourne à quelque part de précis? J'en sais rien, j'ai pas tout bien compris. Attendez, on va aller voir d'abord de quoi il s'agit. Il y en a plein là-bas. Peut-être que ça va nous donner un indice, rien du tout. Là-bas, ça a l'air différent. Alors, qu'est-ce qu'on a de mieux? Merde, on est bloqué. Ah, on a ça. Ouais. Ok, on l'a décroché. Donc je pousse alors? Ah oui, pour activer le levier. Oh, c'est ingénieux. C'est ingénieux. Comme ça, j'arrive ici. Ah, et on va descendre, ça va faire une pince. D'accord, on va le descendre, ça va sûrement faire une pince. Très bien. Comme à la fête foraine. Bon.
Bah, sautons, de toute façon, on n'a que ça à faire. Mais du coup, faut que je... Ah! Voilà, ça l'a descendu, impeccable. On va chercher quelque chose dans l'eau. On a trouvé. Ça remonte? Ok, ça remonte. Ouais. Faut que je remonte. J'ai pas tout suivi, hein, j'avoue. J'avoue, là, je suis un petit peu perdu. Donc. Ouais, mais là, je ressors, du coup, qu'est-ce que j'ai de mieux? En fait, c'est vraiment la question. Ah, mais c'était juste ça qui bloquait le passage. Très bien. Bon. Eh ben, écoutez, ok. Mais on n'a pas mieux de combustible. Hein. Et ça, c'est chaud, ça rase, là, du coup. Attendez, mais on n'a plus rien à cramer. Comment on avance? Si, on a encore un truc à cramer. Est-ce qu'au fond de l'eau, il n'y aurait pas des trucs à choper? Parce que ça serait cool, j'avoue. De trouver un petit peu du combustible au fond. Ça serait plutôt sympa. Tiens, regardez. Voilà. Au pire, on continuera la voile, hein, parce que sinon on va être dans la merde. Faut pas que je rate l'écoutille. Impeccable. Hop. On a déjà trouvé un peu. Donc maintenant, on plonge. Ah oui, il fallait l'avancer deux fois. On plonge et on avance. Faut remonter un petit peu. Parfait, parfait. Donc là, on va pouvoir passer en vitesse lumière. Non, ça ne veut pas passer en vitesse lumière. Pourquoi? Oh, mais on n'a plus de combustible. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on va remonter à la surface. Parce que de toute façon, on n'a plus bien de combustible, donc faut pas trop qu'on fasse les malins. Hop, il y a un petit peu de vent. Ah, y a un côté gestion des ressources. Ouais, faut vraiment qu'on garde ses combustibles pour quand on n'en aura plus. Oh, c'est incroyable. C'est quand même génial, hein. C'est quand même fabuleux. On arrive vraiment dans le paysage arctique maintenant. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors notre sonar, qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis sûr qu'il y a des trucs de cachés grâce au sonar. Ok. Bon, on avance. Allez, on est parti. Oh, en fait, à la voile, c'est pas mal aussi, hein. Les paysages sont vraiment somptueux. Il n'y a vraiment rien à dire. Vraiment, régalez-vous quand vous allez faire ce jeu parce que c'est vraiment incroyable. Alors, ce qu'on pourrait reprocher au voyage, c'est d'être parfois un petit peu long comme celui-là ou comme... Mais bon, c'est vraiment le but de ce jeu, c'est vraiment d'apprécier les voyages. Hein. C'est vraiment... Allez-y, faites-vous plaisir, régalez-vous. Hein. C'est vraiment... On a l'air d'arriver dans un nouvel environnement. Là maintenant, on est vraiment en plein océan. Hein. C'est vraiment nous seuls face à la nature.
Ah, il faut vraiment avoir fait ce jeu. Je pense que c'est important de le faire. C'est autre chose dans le jeu vidéo. C'est vraiment des jeux différents qu'il faut avoir fait. Il y en a d'autres, des comme ça. Hein. Il y en a plein. Dans les expériences indées, c'est vraiment de l'aventure, de la découverte, de... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe dans ces jeux-là. Ah, on arrive vers quelque chose, a priori. Une sorte de maison, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, on va se quitter ici pour aujourd'hui. C'était vraiment incroyable, encore une fois, j'adore vraiment ce jeu. Vraiment, 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 je kiffe à mort. Hop! On va enlever la voile. On rebaisse le mât et puis on ira voir ce petit endroit-là au prochain épisode, voir un petit peu ce que ça nous cache, comment on va passer. Et ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'il y a des choses, on va voir. Ou s'il faut qu'on passe en tout simplement en plongeant. Enfin, ah non, on pourra pas passer en plongeant. Donc du coup, on va voir comment on bouge cette affaire au prochain épisode. Voilà, donc c'était le 5e épisode de Far Changing Tides. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter la vidéo. Ça fait toujours beaucoup de plaisir d'avoir des retours. On va se revoir très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, prenez soin de vous et à bientôt !